vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube après un long moment d'absence, oui je sais. Et aujourd'hui pour ma première vidéo depuis longtemps, je me retrouve avec ma petite sœur, donc Yasmine, qui n'est jamais venue sur... Ah si, qui est apparue plusieurs fois même. Trois épisodes, des vlogs lorsqu'on est venu donc en France, donc quand on était à Nice aussi et tout. Donc ouais, vous avez déjà vu Yasmine, mais là vous allez la voir... En vrai, ouais, voilà, en profondeur, elle va parler d'elle, elle va se présenter, ça va être trop cool. Et du coup, ce format-là, ça va être un format un peu comme la vidéo les études de médecine en France que j'avais fait avec Kenza. Donc ça va être en fait en interview que je vais faire avec Yasmine concernant ses études. Ça vous permettra, vous, d'avoir plus d'informations sur les études qu'elle fait, comment ça se passe, etc., etc. Et vu qu'on est en plein dedans en ce moment, je pense que là, les gens qui sont en terminale, ils sont en train de postuler à fond pour les écoles et tout. Je pense que c'est la période là maintenant. Donc je pense que cette vidéo pourra vous aider à vous orienter un peu mieux et voilà, en savoir un peu plus sur les études d'éco-gestion. Donc c'est parti. Du coup c'est parti, avant de commencer Yasmine, est-ce que tu pourrais genre te présenter à mes abonnés? Alors, je m'appelle Yasmine, j'ai 18 ans et demi et j'habite à Nice et je fais des études d'économie gestion à l'université. Voilà. Ok. Et c'est ma première année. Ouais, voilà, c'était très bien ce que tu viens de dire. Donc voilà, Yasmine qui est en éco-gestion et d'ailleurs sa présence aujourd'hui sur ma chaîne, c'est parce qu'on va te poser quelques questions sur les études que tu fais en ce moment. Ça pourrait en aider plus d'un. Du coup, est-ce que tu pourrais commencer par nous parler des études d'éco-gestion par exemple, voilà, est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter les différentes matières que tu peux étudier en première année en éco-gestion? Alors, on a 4 matières, donc principales, voilà. Ouais. Donc, on a la macroéconomie, la microéconomie, le management et les statistiques. Donc, ça, c'est le semestre 1. Okay. Parce que le semestre 2, on a macro-micro toujours, et on a maths, et les spécialités du management. Parce que le premier semestre, c'est juste l'introduction au management. Ok, et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur juste le contenu un peu de chaque matière, genre en quoi ça consiste? Bah, la macroéconomie, c'est plus vers tout ce qui est économie, donc politique, par exemple, les impôts, l'investissement d'une entreprise. On fait des trucs comme ça, ouais, le revenu disponible, le revenu d'équilibre, etc. La micro, il y a plus de maths, il y a plus de dérivés. Par exemple, pour le premier semestre, on a étudié le consommateur. C'est-à-dire genre le choix du consommateur, les paniers du consommateur, les préférences, etc. Et le deuxième semestre, on va parler de l'entreprise, donc de l'autre côté de la micro. Et les statistiques, c'est des statistiques classiques, comme on connaît. Ouais. Voilà. Donc, et en maths, on fait tout ce qui est G, rond, F, donc les dérivés fonctions... partielles, des trucs comme ça. Okay. Franchement, c'est pas... hyper dur, la vérité, ça va. Ok, ça marche. Ça va, oui. Et du coup, au-delà des matières principales, il y a quoi d'autre? En fait, on a 4 options à choisir sur 8. Au premier semestre, aussi au deuxième semestre, mais chaque semestre ça change. Ok, d'accord. Genre chaque semestre on a 8 nouvelles options à choisir, enfin faudra choisir que 4. 4 parmi les 8. Voilà, par exemple il y a économie et écologie, il y a les grands problèmes... sociaux, genre, il y a économie sociale et solidaire, il y a beaucoup de sociaux, c'est un peu genre de la SES, l'IA de l'économie. Ouais, il n'y a pas de maths en fait, c'est juste rédigé. Et après, aussi 2 options en anglais. D'accord, tu peux ne pas les choisir, mais. Ce qui est utile pour apprendre à développer son anglais. Ouais, ok, d'accord. Donc au niveau des matières, si on doit faire une petite conclusion de ce que tu viens de dire, c'est 8 matières par semestre, 4 principales et 4 en option. Ouais, mais il faut savoir que dans l'université où je suis, c'est les mêmes coefficients. Coefficients. Ok. C'est les mêmes coefficients. Ok, entre les différentes matières, il n'y a pas genre... Toutes les matières, non. Même entre les principales et les options. Non. Ok, d'accord. Ce que je pensais, moi je pensais qu'il y avait une qui était beaucoup plus importante que l'autre, mais en fait pas du tout. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, de toute façon, c'était la première question que j'allais te demander. Okay. En fait, comment c'est organisé au niveau des matières? Parce que je sais qu'il y a des UE, je sais qu'il y a ce genre de bail pour compenser les matières les unes avec les autres. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment c'est organisé? En gros, donc comme je dis, on a 8 matières. Comme je dis, il n'y a pas de coefficients, c'est les mêmes coefficients. Et par exemple, à la fin du premier semestre, si tu n'as pas validé, c'est-à-dire si tu n'as pas plus de 10, pour l'instant, tu as tout qui est en rattrapage, vu que tu n'as pas validé ton semestre, mais tu peux te rattraper au deuxième semestre
Si par exemple tu arrives à compenser ton premier semestre et ton deuxième semestre, bah tu passes. Okay. Donc en gros, on a vraiment beaucoup de chance quoi. En gros, tu dois avoir juste 10 à la fin de l'année. Ouais. C'est par exemple si si t'as pas par exemple 10 dans une matière, mais par exemple moi j'ai pas eu 10 dans une matière, mais en moyenne générale j'ai eu plus que 10, bah j'ai validé pour l'instant mon premier semestre. Okay. Si par exemple au deuxième semestre j'ai ramené une note catastrophique qui va faire vraiment baisser ma moyenne au point que le premier et le deuxième j'ai moins que 10, bah, okay. Je vais rattraper les matières où j'ai pas eu 10 en fait. Ok, d'accord. Et est-ce que vous avez genre des UE, c'est-à-dire en gros des groupements de matières? Oui, par exemple on a macro avec micro, okay. On a management avec statistique. Et les options, c'est... C'est un module. Je pense. Ok. Et par contre, ça n'a aucune importance, on va dire, les yeux, parce que non. Du coup, tout se compense avec tout. C'est ça, tout se compense avec tout. Par contre, ça sera important pour la fin. Ouais, ok. Pour savoir quelle matière tu vas rattraper. Ouais, quelle matière t'as pas plus de 10. C'est quel module tu n'as pas plus que 10. Ok. Quoi. Tant que si t'as pas plus de 10, ouais, c'est là où c'est là où on va vraiment être important. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et... est-ce que tu peux expliquer un peu aussi comment s'organiser les contrôles, enfin par rapport à avoir, enfin c'est quoi en fait que vous passez comme examen? Alors on a les mi-termes, donc on les passe milieu du semestre. Ok. Donc on a, enfin en tout cas moi pour ma part dans mon université on a trois matières. Donc on a micro, macro et du coup premier semestre c'était statistique et deuxième semestre c'était maths. Ok. Et ça vous passez pas le management pendant les mi-termes? Non. Okay. On a que ces trois matières. Ok. Et après on a les last terms. Bon ça je pense c'est plus que mon université parce qu'ils nous ont dit que les last terms généralement les gens ne le font pas. Ok, d'accord. C'est que mon université qui fait donc ça. Donc l'université Côte d'Azur. Voilà ça. On okay. a les last terms donc c'est juste avant les partiels. On a encore les mêmes matières. Les mêmes. Enfin, ah non, attends. Le premier semestre, je n'avais pas macro. Parce que macro, genre, c'est. Enfin, ça, c'est compliqué. Parce que, il y a des matières où t'as des points qui se rajoutent. Par exemple, des QCM que tu fais au début de chaque TD, des TD que tu dois obliger à rendre, etc. Donc, en fait, ça dépend des matières. Donc, okay. Par exemple, la macro, au premier semestre, on devait rendre des TD chaque dimanche soir. Donc, ça, c'était obligatoire. Ouais. Et à la fin, ils allaient tirer au sort un des TD. Pour le noter. Okay. Après, il y avait aussi l'assiduité, les QCM qu'on faisait à chaque début de TD en cours. Okay. Donc, ça, c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas passé les last terms parce qu'il y avait ça à la place des last terms. Ok, d'accord. Donc, c'était les mi-termes, les trucs contrôle continu okay. et les partiels. Ok, d'accord. Alors que la micro, c'était mi-terme, last term et partiel. Donc, ça dépend en fait des matières. Du coup, le last term, en gros, c'est juste avant les partiels. C'est juste avant les partiels. Et tu repasses les mêmes matières que les mi-termes, par exemple, sauf la macro. Voilà, ça, par exemple, pour mes semestres, j'ai passé que micro. Et statistiques okay. et bah, après on a eu les vacances et juste après on a eu les last term, les partiels. Partiels donc en fait c'est juste avant les partiels et les partiels bah, tu passes toutes les matières du coup bah, plusieurs par jour donc ouais, deux maximum genre, tu passes 8 matières en fait. Ouais tu passes 8 matières en une semaine okay. et ça dépend des professeurs donc soit des fois c'est des QCM à point négatif, donc, ouais. par exemple des fois ça dépend quand des matières, par exemple la macro c'est moins 0,5 quand tu réponds faux, okay. la micro c'est moins 0,25, après okay. par exemple management il n'y avait pas de point négatif, okay. après j'avais une option c'était rédaction, mais pas une rédaction comme la philo, juste une rédaction vite fait, okay. après je connais des gens, ils avaient par exemple une option en anglais où il fallait qu'ils rédigent, en même temps il y avait aussi un QCM, okay. et moi par exemple j'avais pris l'option en anglais mais c'était contrôle continu à 100%, ok d'accord, voilà. Donc ça dépend en fait des matières, ok ça marche. Et du coup, pour valider ton année, si tu as des conseils à donner, comment il faut s'organiser, comment il faut réviser, est-ce qu'il faut être vraiment régulier toute l'année ou est-ce que tu peux te permettre un peu de zapper des trucs au début puis après de réviser toi à oui, la fin? Oui, clairement, tu peux, ouais. tu peux zapper des trucs au début parce que on n'a pas des trucs à rendre, enfin à part les matières qui nous disent de rendre, ouais, mais généralement okay. c'est une ou deux, enfin c'est pas beaucoup. Mais du coup, oui, tu peux pas bosser, mais vaut mieux bosser dès le début, comprendre dès le début, comme ça, avant les mi-termes ou les last termes ou les partiels, bah, tu sais à peu près de quoi ça parle. Ouais. Par exemple, bon, moi au début, vu que je venais à peine d'arriver, j'ai pas eu le temps de. Avec un mois de retard. Avec un mois de retard. En gros, ma sœur, elle a commencé par faire information, communication. Je crois que tu l'avais déjà dit, hein. Ouais, je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, mais bon, on fait le reminder. Mise au point, genre elle avait fait infocom au début, elle a pas aimé, puis elle s'est réorientée, elle a fait du coup éco-gestion, donc elle est arrivée avec un mois de retard. Voilà, et en fait le ouais. premier jour où je suis venue, ils m'ont dit bah les mi-termes c'est dans pas longtemps. Ouais. Du coup je devais tout rattraper, enfin c'était assez compliqué, mais genre juste pour vous dire que même si vous prenez du retard, moi j'ai fait que bosser et au final okay. c'est bien passé on va dire. Les points mi-termes et les last termes c'est que pour les TD, c'est-à-dire que ça sera similaire aux TD.
Donc il n'y aura pas de questions de cours ou très 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 peu, voire pas du tout. Et les partiels, bah, c'est vraiment le cours, enfin, bien, parce qu'au début, j'étais en mode, mais c'est quoi la différence entre le cours et les TD, enfin, je ne comprenais pas, parce que ce qu'on faisait au TD, bah, c'est l'application du cours. Mais en fait, non, il y a vraiment des petits trucs qui changent, par exemple, bah, des calculs. Alors, par exemple, les partiels, il y aura plus de questions de cours, des trucs à savoir, genre, ça, c'est ça, trucs à savoir, alors que les mi-termes, c'est plus des calculs, des petits trucs comme ça et tout, donc voilà, il y a une petite différence, mais au début je l'avais pas remarqué, mais quand t'es dans le truc, tu le remarques. Tu sais quoi. Donc quoi, en gros, si t'as un conseil à donner aux gens, c'est que pour les mid-term, faudrait plus se concentrer sur les TD. Que les TD, hein, que les TD, parce que genre si vous faites par exemple que le cours, ah bah vous aurez une mauvaise note, c'est sûr, parce que franchement les mid-term et les last-term, généralement, ça c'est, je pense, dans toutes les universités, c'est vraiment que les TD. Après bien sûr, faut lire le cours vite fait, connaître les trucs de base et tout, mais pas tant que ça, en tout cas moi j'ai ce que je fais, moi je lis un peu le cours à la fin, comme ça je vois ce que je sais pas et tout, on sait jamais, il y a des questions de cours, on sait jamais, mais vraiment je refais les TD 1000 fois. Les annales aussi parce que généralement, ah mais les annales c'est ce qui tombe, hein. Généralement c'est ce qui, par exemple, je viens de passer la semaine dernière les mi-termes du second semestre en maths, et par exemple c'était le mi-terme de l'année passée. C'était le mi-terme, où je changeais la date par exemple. Vraiment, il faut vraiment faire les annales et aussi les TD, parce qu'il y a pas mal de, trucs de TD. Ok, et selon toi, c'est quoi les qualités à avoir quand on est au lycée et qui nous montrent un peu qu'on est fait pour les études éco-gestion? Si tu aimes l'SES déjà, moi je trouve que c'est important. C'est important, parce que par exemple en macro, comme je dis, c'est plus économie politique, il y a plein de mots qu'on a fait par exemple en première, en terminale, en SES, qu'on retrouve en macro par exemple, mais aussi en général, par exemple aussi dans les options et tout, on a plein de trucs et tout. Et il y a des gens qui n'ont pas fait SES, par exemple je connais quelqu'un qui a pas fait SES, et par exemple, il y a des mots ils comprennent pas, enfin c'est des mots d'économie. En gros, ils galèrent un peu plus, on va dire. Mais c'est pas la fin du monde, franchement. Genre, si quelqu'un au final n'a pas fait SES et veut faire l'économie, ben c'est pas grave, il peut faire économie. Enfin, c'est pas, c'est un truc d'actualité, donc c'est facile de retenir les mots, tu les vois souvent à la télé et tout. Et je peux aussi conseiller de faire les maths. Parce que bon, moi j'ai pas fait les maths. Enfin, franchement, c'est pas la fin du monde si tu fais pas les maths, parce que majoritairement les gens qui sont dans mon université, ils ont pas fait maths. Tu vois, mais ça aide. Genre faut avoir les, franchement faut avoir les bases. Je connais quelqu'un qui par exemple n'a pas de base et galère. Moi j'ai pas de base par exemple, en tout cas j'ai moins de base que certaines personnes et je galère. Donc en fait, quand tu n'as pas de base, c'est pas la fin du monde, en mode tu peux pas faire économie gestion, t'auras 0 en maths. Comme j'ai dit, les mi-termes de maths c'était quoi? C'était les annales de l'année passée. Et l'annale, on avait les corrigés, enfin si tu comprends, enfin il y a plein de vidéos sur YouTube qui peuvent t'aider et tout, donc franchement c'est simple quoi. Et si tu devais donner plus des qualités à avoir en termes de personnalité, parce qu'on sait que à l'université on est un peu lâché. Ah oui, beaucoup. Et du coup on n'a pas de suivi. Non, pas du tout. Est-ce que c'est vraiment une qualité à avoir dès le début? Ouais, vraiment être indépendant de fou niveau travail. Parce que si t'es pas indépendant, par exemple si t'as besoin que quelqu'un, par exemple un prof ou autre, te pousse pour aller travailler, en mode faut rendre ce travail pour... Malgré que nous, on a ça, on a genre par exemple à rendre les TD avant par exemple dimanche soir ou lundi matin, mais pas autant par exemple. Il y a plein de matières, ils vont te lâcher. Par exemple, je dis c'est une matière où ils t'exigent à rendre un TD le dimanche soir, alors qu'on a quand même 8 matières. Mais pour autant, non, c'est vraiment, t'es totalement relâché, tu fais vraiment ce que tu veux, mais il faut vraiment avoir la qualité d'être indépendant, parce que... si t'es habitué à être dépendant, bah tu vas vraiment galérer, parce que les profs en fait ils s'en foutent, ils viennent, ils font leurs cours. Après bon, tu peux leur poser une question, ils vont pas te dire non, me parle pas, ils vont te dire, enfin ils te connaissent pas, donc en fait il y a pas de relation entre le prof et l'élève. Ils t'expliquent, ils te connaissent pas, ils t'expliquent ce que t'as pas compris, et après ils partent. Et même après vous pouvez envoyer des emails, mais par exemple moi j'ai envoyé un email à un prof, il m'a répondu, bon lui il était gentil, mais pas tous les profs répondent. Moi j'ai envoyé un email à un prof, il m'a jamais répondu. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai posé une question, il m'a jamais répondu. Ouais, en gros, les profs sont moins disponibles un peu pour les étudiants. Est-ce que tu peux rappeler juste combien vous étiez au début de l'année dans la promo? Après, je connais pas le chiffre exact, mais je pense qu'on était au moins 1000. Ouais, voilà. Et donc, là, on est 500. Voilà, du coup, en gros, il y a la moitié de la promo qui s'est barrée. En tout cas, je sais qu'au début d'année, l'amphithéâtre était rempli, quoi. Parce qu'en fait, on est 4 groupes, A, B, C, D.
et on est 25 groupes de TD. Ouais. Donc je pense que par groupe, groupe A, groupe B, on est genre 200. Ouais. Donc 200 fois 4, on est d'accord que ça n'est pas 500. Ouais. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui sont partis. Ouais, ouais. Il y en a plein qui se sont barrés. Ouais, les gens, bah, vu qu'ils bossaient pas, vu qu'ils n'avaient pas de suivi, bah, ils bossaient pas. Ils bossaient par exemple la veille ou bien 2-3 jours, mais c'est pas suffisant de bosser de 3 jours, même si c'est l'université. Enfin, ça, les gens, ils pensent vraiment que l'université c'est hyper facile. Que genre tu bosses pas, t'as quand même 10, après c'est vrai, faut juste avoir 10 et tu passes, alors que dans certaines écoles, faut avoir au moins 12, 13 ouais. et tout. Mais même genre c'est. Enfin si tu travailles pas, tu vas pas l'avoir, c'est normal. Ouais, c'est sûr. Au moins bosse les annales et tu ouais. peux. D'où l'importance d'être indépendant vraiment ah oui, non, quand t'es à l'université. Ah mais de fou hein. Et dernière question, est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience personnelle? Comment t'as vécu les choses depuis le début de l'année jusqu'à maintenant? Est-ce que tu te sentais à l'aise dès le début? Est-ce que, enfin, raconte-nous un peu de toi, comment tu t'es ressentie? Alors oui, complètement, il y a une évolution de malade mentale. Parce qu'au début, comme je dis, je suis venue avec un mois de retard, je savais rien, j'ai aucun cours. Après, bon, genre, il y avait une fille, elle était gentille avec moi au début de l'année, elle a passé le cours. Okay. Elle a passé tous les cours, elle m'a tout expliqué, elle m'a dit, bon, moi j'ai eu de la chance, je suis pas venue avec les TD en retard, c'est-à-dire que je suis venue la semaine où les TD allaient commencer. Okay. Donc ça va, j'étais pas si en retard que ça, ils avaient juste les cours magistraux où j'étais vraiment en retard. Mm. Donc en soi, au début, j'étais un peu perdue parce que j'avais un contrôle la semaine d'après en anglais. Enfin, ouais. vraiment, genre, j'étais un peu dans la merde et j'étais un peu perdue, je pleurais à peu près tous les jours ouais. vraiment parce que j'étais stressée. Il y avait des maths, enfin les statistiques du coup, j'avais ouais. des maths, il y avait, enfin vraiment c'est pas la même chose que infocom, c'est beaucoup plus facile alors qu'économie gestion c'est plus dur, je pense c'est l'une des licences les plus dures je pense. Ah ouais, à l'université? Ouais, je pense. Ah ouais, ouais. Je savais pas. Ouais, la première je pense c'est maths info, deuxième psycho et troisième je pense économie gestion. Okay. Je pense hein. D'accord. La quatrième, mais en tout cas genre oui bah moi tout ça j'avais trop peur des a priori, enfin j'avais beaucoup d'a priori. Mais au final, j'ai bossé en fait. Il n'y a pas d'autre secret que bosser. Ouais. Après, tu peux être en retard au début, mais comme moi, j'étais en retard, mais tu peux vite te rattraper. Mais il faut vraiment bosser. Ouais. C'est pas bosser 2-3 jours avant et c'est bon, tu dis t'as bossé, ouais. ou t'as fait le cours et t'as dit c'est bon, j'ai bossé. Non, c'est vraiment ouais. bosser. Et après, bah, les mi-termes, bon, j'ai pas mal passé. Après, bah, au fur et à mesure, c'est bon, je commence à me faire des amis. Donc les amis commencent à m'aider, ouais. à m'orienter. Et j'étais pas seule quoi. Genre, par exemple, j'avais ma famille qui m'aidait, par exemple, toi qui m'aidais en micro, papa aussi. Ouais. Donc ça, j'étais pas seule. Faut vraiment pas être seule par contre, parce que c'est un peu compliqué. Ouais, ok. Tu vois, genre, faut vraiment bien avoir un soutien. Ouais, okay, voilà. Mais sinon, après, franchement, par rapport à maintenant, mon évolution, bah là, ça a hyper changé, je pense que tu le sais. Oui, oui. au début, j'étais comme ça, là, hyper au calme. Je comprends beaucoup plus de choses qu'au début de l'année. Ouais. Même par rapport à l'année dernière. Hein. Grosse évolution ah, clairement, de ta personnalité aussi, dans ta oui. façon de t'organiser. Ouais. Mais ça change, clairement, hein, parce ça que change. L'année dernière, par exemple, ben, je bossais pas vraiment. J'avais ouais. une moyenne hyper moyenne, quoi. Ouais, moyenne. Du coup, ben, mais là, je me suis dit, ok, ben, faut que je bosse, parce que là, c'est pas la même chose que ben, le lycée. Et ben, en fait, tu peux avoir plus qu'en terminale, quoi. Ouais, ouais. Ben, alors que les gens, parce que les gens, ils pensent que non, tu peux pas avoir plus, alors que si, ouais. clairement. Bah écoute, merci pour tout ce que tu viens de nous raconter. Est-ce que je suis pas malade. Juste avant de finir la vidéo, est-ce que tu pourrais rapidement nous dire quel débouché tu pourrais avoir après une licence éco-gestion, en tout cas de ce que tu sais de toi? Ah mais t'es large, hein. T'es vraiment large. Ah, tu ouais. peux tout faire. Tu peux faire finance, comptable, tu peux faire marketing. Enfin moi je veux faire marketing. Ouais. Voilà, tu peux faire marketing, tu peux faire tu peux tout faire en fait. Gestion des administrations. Ouais, c'est ça, tu peux okay. vraiment tout faire. Ouais, donc en gros, tout ce qui est autour de l'économie, c'est ça. Tout ce qui est autour de la gestion. Ah, mais t'as toutes tes ouais. chances. Ok, bah voilà. Du coup, ça c'était de bonnes informations. Merci Yasmine d'avoir de répondu rien. À toutes les questions. Bah, j'espère. C'était hyper intéressant, franchement, merci. Un petit chou et... malade, ça se voit de ouf. Non, ça va, ça se voit pas. Ça va. Je sois pas. Vous allez nous dire dans les commentaires si ça se voit que j'ai malade ou pas. Oui. Bon, là ça se voit par contre. Oui. Mais du coup voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas voilà, à la partager à toutes les personnes qui aimeraient faire éco-gestion l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans, enfin à vous de voir. N'hésitez pas à laisser un petit like quand même, ça fait très plaisir. Et à commenter la vidéo. Si vous avez des questions. Ouais, si vous avez des questions, Yasmine se fera une joie d'y répondre. Et franchement, merci beaucoup. Tout ce soutien, ça me fait trop plaisir. Pour tous les commentaires aussi que vous m'avez laissé, merci beaucoup. Et en tout cas, bah, je vais essayer d'être un peu plus régulière, mais je vous avoue que dernièrement c'est un peu le rush dans ma vie, je vous raconterai ça dans une autre vidéo, donc voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis à la semaine prochaine peut-être. Bisous. Bye bye.